Alors très clairement, ce sont les syndicats qui sont restés à la table des négociations au ministère qui ont véritablement défendu les langues vivantes. Nous avons obtenu, au fil des discussions, 25% de moyens en plus pour la langue vivante 2, par exemple. Pour l'allemand, c'est véritablement au ministère de prendre ses responsabilités et d'avoir une véritable promotion de l'allemand, en particulier sur la langue vivante 2. L'horaire a augmenté de 25%, il faut qu'il profite autant à l'allemand qu'aux autres langues vivantes. D'autre part, le ministère doit véritablement permettre aux enseignants d'allemand de travailler très précisément avec le premier degré dans le cadre de la liaison école-collège pour pouvoir augmenter les viviers d'élèves.